Bonjour. Qu'est-ce que vous proposez en fait ici dans ce stand? Je vois qu'il y a des guitares électriques de groupe. Oui, effectivement, ce sont des reproductions miniatures, des guitares, des plus grands guitaristes. Donc, on a un choix incroyable qui va de AC/DC à Santana, en passant par les Beatles, Aerosmith. Voilà, il y a du choix pour tout le monde, les classiques, les rock, les pop, les métal, les métaux, je ne sais pas comment il faut dire, enfin pour la musique métal. Voilà, que de la belle marchandise. C'est juste à titre pour décoratif, hein. Oui, c'est purement, elles sont purement décoratives, parce que si en plus elles devaient faire de la musique et des fausses notes, ça n'irait à personne en fait. Et ça s'est bien vendu ici sur les 5 jours? Ben, j'étais agréablement surprise par le succès de mes produits. Il faut savoir que j'avais aussi des sacs, des porte-clés, tout ça en forme de guitare. Et oui, on est sur un festival, oui les gens aiment la musique, oui ça a bien marché. C'est la première fois ici au Francofolis? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. D'habitude, je fais plutôt des concerts un peu plus rock que la chanson française. Mais bon, finalement, c'était pas mal. Un public très sympathique. Vous reviendrez, pardon? Je ne reviendrai pas l'année prochaine parce qu'il faut un peu faire languir son public, comme dirait l'autre. Mais je viendrai certainement en 2016. Ben voilà, merci. Le prochain festival? Certainement Fiesta City à Verviers. Ou... Voilà, si vous êtes intéressé par les guitares, venez. Sinon, il y a un site internet? Oh non, je ne suis pas encore assez... Facebook? Pardon? Une page Facebook peut-être? Oh non, je suis encore de l'ancienne génération, en direct, live. Je ne sais plus comment disait la publicité. Un numéro de GSM peut-être? Ah, 0499 15 87 92.